Bonjour à tous. Alors, c'est quoi ce trombinoscope bizarre là, avec plein de noms, plein de têtes, des gens qui se connaissent pas, qui connaissent pas EJL? Et il y a un type qu'on met sur Internet qui s'arrête pas de, de mettre leur portrait. En fait, c'est le résultat de deux constats. Le constat, c'est qu'il y a actuellement sur le marché aucun parti politique en place, avec un programme en place, large rassembleur qui peut créer un tsunami et nous débarrasser de Macron et casser cette spirale socialo-progressiste. Il n'y a pas non plus une personnalité politique. Hein. Je ne pense pas que Marine Le Pen puisse créer un élan. Depuis 15 ans qu'on la connaît, ça serait déjà fait. Et puis aux Républicains, il n'y a personne, et ainsi de suite. Donc le résultat, c'est de se dire qu'il faut faire autre chose. Il faut faire autre chose, ça veut dire commencer par construire un programme et la jouer collective. C'est-à-dire regrouper des gens qui pourraient justement se mettre d'accord sur ce type de programme, qui pourraient l'améliorer, qui pourraient le diffuser, qui pourraient en faire la promotion. Et croyez-moi, cette équipe-là qui est sur le papier en tout cas, c'est une dream team. Ça pourrait toucher les médias, ça pourrait toucher les milieux de l'armée, les milieux de la justice, les milieux de l'éducation nationale. Si tous ces gens tirent dans le même sens, arrangent le programme, y travaillent ensemble, et même s'ils ne sont pas tous d'accord avec 100% du programme, et ça n'existe pas, ils pourront se dire, il vaut mieux ça que ce qu'on a actuellement. Et ça, c'est peut-être fou, mais c'est encore moins fou que de penser que le Rassemblement national peut gagner. Voilà. Voilà l'objectif.